Beyoncé, sans oublier Mala. Avec toi, t'es bien accompagné. Et vous aussi, d'ailleurs, la radio. Moi, je chante pas, hein, pour info. Bonjour à tous, bon mardi. On retrouve tout de suite la rédaction d'Alouette. Il est 9h. Présenté par Denis Lebars. Denis, bonjour. Bonjour, madame, moi non plus, surtout pas. Ah non, la flamme olympique est dans le sud Vendée actuellement. Oui, la flamme olympique est en Vendée aujourd'hui. Le premier relais, c'était il y a une heure sur le bois, entre Noirmoutier et le continent. Et actuellement, la flamme est à fond de pelle. Compte encore beaucoup de monde le long du parcours. On la retrouvera aussi, notamment à Montaigu, au Puy du Fou et à La Roche-sur-Yon ces prochaines heures. Dernière étape, les Sables de l'Homme en fin de journée. C'est Armel Lecléache, l'ancien vainqueur du Vendée Globe, qui assurera le dernier relais. Et Kylian Mbappé, lui, c'est la une du journal L'Équipe ce matin. Oui, c'est officiel depuis hier. L'attaquant jouera donc la saison prochaine et a priori les suivantes au Real de Madrid. Il a signé pour 5 ans dans le plus grand club du monde. Le super hier après-midi a souligné une fusillade en plein centre-ville. Un homme a fait irruption arme à la main. Les tirs ont touché deux hommes qui se trouvaient devant un kebab. L'un d'eux est décédé, un jeune de 21 ans, l'autre deux hommes seraient recherchés. La campagne des élections européennes, dernier débat télévisé ce soir, c'est sur France 2. Et à la télé toujours, le record toute catégorie d'Emilien. Et oui, ce jeune Vendéen de 21 ans est devenu hier le plus grand champion de l'histoire des jeux télé. Après avoir battu le record de gains, plus d'un million d'euros, cet étudiant en histoire a battu hier le record de participation, 253 présences avec celle d'aujourd'hui, dans le jeu Les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann.